Amandine Pélissard est enceinte de son 9e enfant. Lors d'un live Instagram, elle se confie sur cette grossesse et les nouvelles habitudes qu'elle va prendre. Certaines peuvent surprendre. Si est-il la nouvelle de ce début de mois de mars, Amandine Pélissard est enceinte de son 9e enfant. Depuis plusieurs années, la maman révélait dans l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL tentait d'agrandir sa famille, mais en août 2022, elle avait connu une fausse couche. Un douloureux moment qu'Amandine Pélissard avait décidé de partager après les nombreuses demandes des internautes sur sa possible grossesse. Depuis, le couple s'est éloigné de TF1 et s'est reconverti dans des contenus X. Un projet qui rapporte gros à la famille Pélissard, même si les téléspectateurs de TF1 s'étonnent de ce changement de vie. Amandine et Alexandre Pélissard ont souvent été pris à partie, même jusque sur le plateau de Touche pas à mon poste. Mais sa récente grossesse qui interroge. L'objectif d'Amandine Pélissard ce mercredi 15 mars, Alexandre et Amandine Pélissard ont décidé de répondre à toutes les interrogations de leurs fans lors d'un live Instagram. L'annonce de sa grossesse a particulièrement intéressé les internautes, qui se demandent si la maman va changer son train de vie. Même Amandine Pélissard ne compte pas arrêter pour autant ses nouvelles activités. Ni même la cigarette. Je réduis, a assuré la maman, je suis une grosse fumeuse de base, donc quand je suis enceinte, j'essaye de réduire au maximum pour arriver, soit à un arrêt complet, soit à très peu, genre 2/3 de par jour. Une remarque qui peut étonner plus d'une personne, mais Amandine Pélissard a décidé d'être honnête. Là, je suis contente, ma sage-femme m'a toujours dit, il vaut mieux en fumer 2/3 de par jour et pas être à 24 de tension que de se stresser parce que tu es en manque de nicotine et en manque de clopes. J'ai essayé d'arrêter plein de trucs, après si est-il vrai que si est-il compliqué, a expliqué la maman de 8 enfants, là, je suis contente, je suis passée en dessous de 10. Je ne fume 7/8 de là. Amandine et Alexandre Pélissard attendent avec impatience l'échographie de datation pour connaître le stade de la grossesse. Même si la maman affirme être enceinte depuis environ un mois, il est déjà possible de voir un bon ventre arrondi. À lire aussi, on ne pensait pas du tout que ça allait arriver, Amandine Pélissard se confie sur sa 9e grossesse totalement inattendue.